partager cette nouvelle chance qu'il m'a accordée là, de vraiment réjouir le cœur de tous ceux qui traversent les mêmes difficultés que moi. Vous ne pouvez pas comprendre ce soir comment ça me fait plaisir de voir les couples, amen, accompagner leur chérie et tout à cette fête de Saint-Valentin. J'ai béni aussi Dieu pour celles qui sont venues, c'est parce que l'année prochaine, à la même époque, elles ne seront pas seules. Amen. Parce que je sais de quoi je parle. J'ai un Dieu qui répond aux prières. Je voulais vraiment vous dire merci. Et exhorter toutes mes soeurs qui sont là ce soir pour que on puisse se mettre ensemble. On puisse se mettre ensemble pour être des consolatrices, pour communiquer la joie aux autres. Je le dis toujours que la femme handicapée n'a rien perdu. Alléluia. Amen. Excusez-moi si j'ai dit alléluia parce que c'est une habitude qui est restée. La femme handicapée n'a rien perdu. C'est le même sang qui coule dans nos veines. C'est le même cœur rempli d'amour. Nous-mêmes, on est plus douce même que... Alléluia. On est plus douce que les femmes même qui sont valides. Donc, je bénis Dieu pour ces hommes, ce soir, qui sont venus avec leurs épouses passer ce moment ensemble. Vraiment que Dieu bénisse tous ces hommes-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous exhorte à régulariser la situation un peu rapidement. Parce qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction dans le mariage. Et surtout dans notre cas, quand tu fais ça, Dieu, au lieu de te noter 7 sur 10, il te note 10 sur 10. Et quand tu le fais, que tu as une situation quelconque qui est bloquée, parce que tu as honoré sa fille qui traverse des moments difficiles, automatiquement, il décante toutes les situations. Je sais de quoi je parle. Donc, que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je pense que la prochaine fois, on va se réunir ici pour faire un glorieux mariage. Amen. Qui a été déjà calé ce soir. Amen. Amen. Merci. Et je vous demande encore vraiment de trouver un temps pour moi, pour qu'on puisse se mettre ensemble, pour organiser quelque chose. Parce qu'une seule personne, là, ta voix ne porte pas. Il faut au moins plusieurs personnes pour qu'on fasse l'ONG ensemble. Et je pense que Dieu va nous aider à vraiment faire de grandes choses dans cette nation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et passez un bon moment. Merci. Madame. Merci à vous. Vraiment un moment inoubliable, un moment glorieux. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Merci. Merci. Monsieur? Comme elle a dit, c'est. Vous passez un bon moment. C'est assez particulier. C'est la première fois que je participe à un tel. Un tel événement à Saint-Valentin précisément. Je profite. Merci à la maman. Mamie, comment vous vivez cette soirée aujourd'hui? Bien la cala. Ce qu'il a fait, il a fait bien la cala pour dire beaucoup de ça. Et la capis pour nous mettre ensemble pour nous pour fêter Saint-Valentin pour durer. Merci.
Monsieur, madame, bonsoir. Juste vos impressions, comment est-ce que vous passez cette soirée de Saint-Valentin avec la présidente de l'ONG? Une bonne soirée. Tout se passe bien. Tout se passe très bien. Nous sommes d'ailleurs contents. Il n'y a pas de mots à dire. C'est parfait. Merci à maman Esther. Merci. Maman, comment est-ce que vous passez la soirée? Quelles sont vos impressions? Oui, c'est bien passé. On est heureux. Ce que la maman a fait pour nous. Que Dieu lui donne notre vie. Que puisse nous mettre ensemble toujours. C'est tout. Merci. Merci. Donc, tout se passe bien ici. Maman, quelques impressions? Je remercie le Seigneur pour la maman. Que Dieu lui donne longue vie. Qu'elle soit toujours devant nous. Que Dieu la bénisse vraiment, elle et ses enfants. Pour ce geste. Merci. Voilà, c'était. Bonjour la maman. Chère maman. Quelles sont vos impressions pour cette soirée? C'était une soirée. La soirée a été belle. Pour un moment, c'est un moment formidable. Que la bénisse, que Dieu donne mon vie. Que Dieu auprès de nous. Je veux vraiment merci pour cette soirée. Merci à vous aussi. Voilà. J'appuie.